Salut les gars, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top aujourd'hui. C'est parti pour une draft, ça faisait longtemps, je sais que ça vous avait manqué les drafts de Djorkaeff. Donc les mecs, on va y aller, je n'ai pas gagné de draft pour l'instant cette année sur FIFA. Donc on va essayer de gagner la première ensemble, d'avoir des gros joueurs. Et je sens que ça sent la légende. Si t'aimes les drafts toujours autant que moi je les aime, tu peux poser ton petit pouce en l'air. Voilà, il est joli, il est beau, il est juste en dessous, c'est parti. Allez, on va tenter un 4-3-2-1, une compo classique qui marche bien sur FIFA, comme ça, pour maximiser nos chances de victoire. Le capitaine, tout de suite, Ronaldo. Ouh, bah oui. Bon, là c'est même pas une question, on va prendre Cristiano Ronaldo. Ouh, Iniesta, merde, c'est le Iniesta milieu gauche. On va quand même le prendre, on va le mettre milieu centre. Vous savez quoi, ça le fait, Iniesta milieu centre, ça le fait. Et là, ok, on va prendre Koke. On reste dans les joueurs espagnols, les mecs. Vous l'aurez remarqué durant les petits joueurs que j'ai pris pour l'instant. Là, on va prendre Bakambu, hein, tout simplement, pour faire un petit buteur sympa de BBVA. Bon, bah, on va prendre le petit Mbappé, vu qu'il y a que ça à prendre. Hein. Voilà, nous, on prend Mbappé comme ça, allez, vas-y. Bon, plus tant qu'à faire, bah, on enchaîne avec Messi. Comme ça, c'est une équipe plutôt sympa, quoi. Alors, au niveau du banc, on a vraiment de très grands joueurs, mais peu de défenseurs. On a vraiment un défenseur central, on va dire, qui nous intéresse. Le reste, c'est que de l'attaquant, c'est que du buteur, etc. Donc, il va falloir qu'on ait de la chance. Allez, gardien, on a déjà Ter Stegen 86. Voilà, rien de mieux, on va prendre le plus gros général. Donc, on va prendre Chesney. Défenseur gauche, il nous faut un gros nom, sinon on n'aura personne. Merde, est-ce que c'est en BBVA, ça? Non, même pas, c'est Liga Santander. Bon, on va prendre lui, tiens, allez. Là, ici, aucun grand nom, donc ça va partir sur un petit Bonucci, je crois. Ouah, la défense qu'on a, c'est compliqué. Je vais voir ce qu'il y a sur le banc, mais là, on est dans la merde. Allez, milieu de terrain, on va bien voir ce que ça donne. Ensuite, il nous faut des joueurs sympas de BBVA. Là, on n'en a aucun. On va prendre Kevin Troutman, le plus gros général, comme d'habitude. On enchaîne milieu centre. Avec un joueur de, toujours pas de joueur de BBVA, on va prendre Trigueiro, j'aime bien ce joueur, il est sympa, il est pas mauvais en plus. Surtout que j'ai déjà mes joueurs milieu centre, ah là 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 là, c'est intéressant ça. Faut réfléchir parce que on a pris Modric, hein, voilà, Modric c'est une valeur sûre, vous avez pas trop m'en vouloir, merci. Bon bah Bale, hein. Bale, voilà, on ajoute Bale en attaque en droit. Non, c'est tranquille, je crois qu'on a une draft un peu à 1000 de général. Et puis voilà, on termine avec Suarez, comme ça c'est fait. Donc voilà, notre draft est constitué, je vous laisse la regarder, c'est quand même une excellente draft. Alors, comment je vais faire pour m'organiser dans cette draft? C'est que dès le début, je vais faire rentrer, on a 187 de notes, Trigueiro, je vais le faire sortir et je vais faire rentrer Iniesta, tout simplement au milieu centre. Et ensuite, je vais faire rentrer, à la place de Gareth Bale, que j'ai mis défenseur central, je pourrais mettre n'importe qui, je m'en fous, Bonucci, pour faire une défense sympa, Bonucci avec le petit Hernandez, je pense que ce sera pas mal. Et puis, bah, on va partir là-dessus pour cette draft. Let's go. C'est parti pour le match. On va voir sa draft tout de suite. Ok, une belle draft. Il a une légende. Il a... Oui, oui, il a une bonne équipe. Bon, j'ai quand même des meilleurs joueurs. J'ai une meilleure draft. Malgré qu'il a quand même quelques top players. Moi, je pense que j'ai aussi ma petite dose de top players. Oui. Tête! Mais non, c'est quoi cette tête ralentie là? Il n'y a aucune action. C'est très serré les matchs de draft, les gars, je vous le dis. C'est vraiment serré de ouf. Ah, oh, c'est bien joué, je me suis livré. 1-0 pour lui, il a été plus solide. Il vient de faire rentrer Neymar, il était chaud. Parce qu'il l'a fait rentrer à la place d'Aduriz. C'est vrai. Et donc voilà, bien joué à lui, je me suis livré. Je pensais qu'il allait frapper, j'en étais sûr et certain. Je voulais récupérer. Parce que bah, je suis un mec qui joue l'attaque quand même. Et bah non, je me suis trompé. Oui! Oh, ce but, c'est qui? C'est Modric. Oh, je m'y attendais pas. Parce que le centre était un peu bof de Juan Fran, vous l'aurez sûrement vu. Et bah oui, belle reprise de Modric. Prof. Oh, du genou. Oh, le genou. Très beau genou de Modric. On a toujours dit qu'il a un très beau genou, de toute façon. Allez, oui, fini. Mais non, Ronaldo, mais tu mets le pied, tu mets pas la tête. Oh non, moi je me relance mal et je me prends un but de Neymar encore une fois. Bon, voilà, c'est la vie, mais en même temps, il prend 8 ans à faire sa passe alors que j'ai demandé il y a 800 ans, il la met entre les jambes et voilà.
Oh, bien joué. Bien joué, Bergkamp, il est vraiment très très fort, Bergkamp, il me fait énormément de mal. Parce que c'est pas lui qui est tout le temps à la finition, là oui, et il met une super frappe enrouée, poteau rentrant. Si je peux vous conseiller un truc, les mecs, c'est que Bergkamp, si vous voulez l'acheter, il sera au rendez-vous. Suarez, touche ton pied, Luis, bien joué. C'est pas fini, 79ème, 3-2, on remonte. Luis! Bon, Luis! Je me suis retrouvé trop lentement aussi, c'est ma faute. Allez, coup franc, corner, faut la mettre sur la tête de Ronaldo. Ronaldo! Oh non, c'est arrêté sur la ligne. Iniesta, t'enchaînes. Non, c'est contré. Bon, bah les mecs, c'est bien joué à lui. Victoire, 3-2. Il a été meilleur, tout simplement, il a été meilleur. J'avais vraiment une super équipe, je suis vraiment déçu. Des joueurs incroyables à chaque poste. Vraiment, sauf... En défense centrale, c'est peut-être ce qui m'a coûté cher, alors que lui avait une belle équipe, on va dire une moins belle équipe, mais plus homogène. Donc on a vraiment des packs nuls, qu'on va ouvrir comme ça à l'arrache pendant que je vous parle. Et en fait, j'ai plus rien à dire. Donc, à part commenter des packs où il n'y aura pas de joueurs hors rare dedans, que je vais tout conserver, bah au final, on va pouvoir se laisser là-dessus. Vous dire, bah, bonne journée, bonne soirée, si vous regardez cette vidéo. C'était Joe, allez, bisous.